À toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Remise et reprise mercredi à Goma dans le Nord Kivu, entre l'ancien maire de la ville et son successeur. La ville volcanique a désormais ses nouvelles autorités désignées par le chef de l'État dans le cadre de l'état de siège. Le nouveau maire, le commissaire supérieur Kabeya Mwakosa François, devra faire face aux multiples tâches laissées par son prédécesseur. Les détails dans cet élément de Patrick Sialoua. Il s'appelle commissaire supérieur principal Kabeya Mwakosa François, le nouveau maire de Goma, en remplacement de Moïse Nkese Timothée. Celui-ci sera secondé par le commissaire supérieur Kapens Kamanz comme maire adjoint. Les deux communes de Goma et Karisimbi ont également eu leurs animateurs. Le commissaire supérieur principal Kayemba Mukenya Simon prend la commune de Goma à la place de Cyprien Ngoga, pendant que la commune de Karisimbi sera dirigée par le commissaire supérieur Elongi Wangiki à Jean-Paul, en remplacement de Madame Brigitte Mbaiki. Tous ont fait la remise et reprise. Mercredi soir, sous la supervision du vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Romi Ekuka. Occasion pour lui de rappeler l'objectif principal de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la base de leur nomination. Notre mission dans l'état de siège, c'est tout simplement de rétablir les choses en leur état initial. Nous osons espérer que toutes les bévues qui ont été commises pendant 30 ans, toutes les tueries, tous les massacres, toutes les inquiétudes que la population, dont la population a souffert, nous saurons résorber tout cela. Mais nous saurons résorber cela avec l'appui de la population. Avec votre appui, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes vos servants. Nous ferons quelque chose, mais tout seul nous ne ferons rien. À la commune de Goma, le bourgmestre Cyprien Ngoga laisse dans la caisse de l'État 4000 francs congolais, soit 2 dollars américains, avec plusieurs dettes. Pendant qu'à la commune de Karisimbi, la bourgmestre Brigitte Mbaiki cède à son successeur policier 1 398,16 $ et plus de 4 millions de francs congolais, sans aucune dette. À la mairie de Goma, le maire Moïse Nkese Timothée laisse plus de 14 mois impayés aux agents et plusieurs dettes.